grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux trois meilleurs chronos. Tsunoda, Sato et Marcus Armstrong. Il est temps de se quitter, mais ce n'était que le début. Rejoignez-nous demain pour la course. Bonjour et bienvenue sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Le compte à rebours avant le début de la course a commencé et on sent l'excitation monter. Nous allons vivre du grand spectacle. Ce sont les 4,65 km du circuit de Barcelona-Catalunya avec ses 7 virages à gauche et 9 à droite pour un total de 16 virages. L'un des meilleurs endroits pour dépasser est certainement au bout de la grande ligne droite avant le premier virage. C'est l'une des deux zones DRS que les pilotes pourront utiliser ce week-end. Ici Alex Jack. Je suis à nouveau accompagné du champion de GP2 2012, Davide Valsecchi. Nous sommes ici aujourd'hui sur le très apprécié circuit de Barcelona-Catalunya, situé à Barcelone, en Espagne. Davide, j'imagine que vous avez roulé sur ce circuit un nombre incalculable de fois. Vous avez des conseils à donner aux pilotes aujourd'hui ? C'est vrai. C'est un circuit qui se partage les championnats de F1 et de F2 depuis des années. Je ne serais pas surpris que vous-même ayez tourné dessus, Alex. Mon conseil pour les équipes est de bien gérer leur stratégie de gestion des pneumatiques. Le circuit a une surface très irrégulière, qui est très éprouvante pour les pilotes et pour les pneus. Rouler à l'économie sur la majorité du circuit et foncer sur la longue ligne droite jusqu'au virage offrira certainement les meilleures occasions de dépassement. C'est là que se situe la clé de la victoire. Nous ne sommes qu'à quelques instants du début de la course. Profitons-en pour regarder l'ordre des voitures sur la grille de départ. Yuki Tsunoda part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier. Et c'est Marino Sato qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Armstrong, Schumacher, Nobuharu Matsushita et Tiktum, Drugovic, Schwartzmann, Aylot, Jehan Daruvala, Piquet, allez-y, Luca Giotto et Lundgaard, Zhou, Kelael, Etken et Nikita Mazepin, Samaya, Deletraz, Markelov et Roy Nissany complètent la grille. L'extinction des feux est imminente. Dirigeons-nous vers le circuit. On est bon du côté moteur, alors essayons d'amener les pneus et les freins à la bonne température. Tout se présente bien, la météo est avec nous.
Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage.
On rentre sur ce tour, donne tout ce que tu as. Essaie d'économiser tes gommes. Tu dois commencer à perdre en adhérence. Attention, attention. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Robert, rentre au stand. Roule moins vite, notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Nous approchons de la voiture de sécurité. Ne la double pas. Tu es en tête. Suis la voiture de sécurité.
Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Alors que les pilotes quittent leur monoplace, Art se prépare à fêter cette superbe victoire comme il se doit. Selon vous, Davide, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? La voiture de sécurité a tout chamboulé aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. Enfin, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais sans elle, la course aurait été différente, et probablement le podium également. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il est sorti de cette situation dans une position favorable. La voiture de sécurité a ce pouvoir de renverser une course. Une course incroyable aujourd'hui, et une victoire bien méritée. L'écurie a travaillé très dur pour obtenir le réglage idéal de sa F2. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est Art GP qui l'emporte aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Mick Schumacher prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Ce n'est pas un choix facile, mais je dirais Roy Nissany. Il a tout donné aujourd'hui, et ses efforts ont payé. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Art a réalisé une belle prestation ce week-end, et parvient à renforcer sa position au classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère.